Previously in the Crafting Dead. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? À chaque fois que je descends ici, il y a une explosion. Et cette phrase, you don't know what you did. Est-ce qu'on peut dormir là, passer la nuit, se reposer, ce serait bien? Allez, dormons. Allez, à tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est un cauchemar. Ah! C'est parti. Oh putain. Aïe. Oh vache. Yes, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de The Crafting Dead. Et vous le voyez, on commence avec un Gus blessé, qui pisse le sang. J'en fous partout, il va falloir que je me soigne. On reprend l'aventure, là où on l'avait laissé la dernière fois. Le jour vient de se lever, souvenez-vous, j'ai été attaqué par un tank. Et pas que, pendant tout l'épisode, je n'ai fait qu'être attaqué, je suis mort. J'ai tenté de survivre du mieux que j'ai pu, et soyons, il faut être clair sur cette aventure. C'est complètement fou, complètement impossible. C'est une survie plus qu'extrême pour le coup, et je sais pas du tout ce qu'on va faire. Si, je déconne, je sais exactement ce qu'on va faire. J'ai décidé de prendre les choses en main. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées depuis et qui ont rejoint cette aventure d'une certaine façon, puisque les auditeurs, vous avez aussi de l'importance, bien entendu, puisque je fais cette émission. Surtout pour que vous puissiez en profiter et la regarder, même si je m'amuse énormément à la faire. Donc voilà, bienvenue à vous. On va donc prendre les choses en main, assez déconner. Je vous rappelle que je patauge littéralement dans cette aventure depuis le début. Je crois que maintenant on a rencontré la plupart des ennemis que l'on peut croiser. Notamment Herogus qui nous a bien pris la tête la dernière fois. J'ai décidé, non seulement, effectivement, de détruire cette citrouille maudite. Voilà, c'est fait. Soyez rassurés, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit qu'il fallait que je m'en débarrasse. Eh bien, on va faire mieux que ça. Peut-être qu'il faut que je me soigne aussi. Je saigne. Il faut que je mange quelque chose. Alors, attendez, on va manger du poisson. Je vous avoue que je reprends l'épisode, comme d'habitude, avec pas mal d'anxiété. Dans le sens où je sais pas du tout où on va avec cette série, vous le savez. Vous l'avez remarqué, hein, tous ces imprévus sont terribles. Voilà, donc, vous êtes certains d'entre vous... m'avait dit, écoute Gus, tu devrais absolument te débarrasser de cette citrouille maudite. Et bien, nous allons nous débarrasser de la citrouille maudite, nous allons l'enterrer dans les profondeurs de... Avec le rat. Nous allons l'enterrer là. Voilà. La citrouille maudite sera enterrée ici. Je ne vais même pas chercher à la poser réellement. On va reboucher. Voilà. Donc ce trou, que je creuse depuis, depuis un certain nombre d'épisodes, n'aura servi qu'à enterrer une putain de citrouille. Voilà. Ça n'aura servi à rien, j'en suis désolé, mais enfin bon, vous allez comprendre pourquoi je décide de m'en débarrasser. Certains d'entre vous pensent que c'est elle qui porte malheur et que c'est elle, puisque je l'ai trouvée en fait dans une des maisons fabriquées par Herogus. La plupart d'entre vous, et c'est vrai que je pense que c'est tout à fait envisageable, on est plusieurs à penser que cette citrouille est maudite et que c'est elle qui nous porte malheur et qui fait que Herogus est apparu aussi souvent dans le dernier épisode. C'est vrai que depuis qu'on l'a, depuis que je l'avais installé dans cette petite, je n'ose même pas appeler ça une maison maintenant, tellement c'est devenu n'importe quoi, eh bien c'est vrai que Herogus est apparu bien plus souvent, notamment la nuit, et j'ai fait de nombreux cauchemars. J'ai pris une autre décision, je vous le livre tout de suite. J'ai pris des notes aussi, donc j'ai un petit papier avec des notes pour ne rien oublier. Si voilà, j'ai pris une autre décision, on se barre. On quitte l'endroit, je suis convaincu que l'endroit est maudit. J'en ai ras-le-bol d'être ici, je suis mort bien trop souvent, donc il faut se casser. Et pour partir d'ici, on va repartir un peu ailleurs, je sais pas trop où, on va s'en aller. Histoire d'éviter, j'ai remarqué qu'à certains épisodes, à chaque fois on avait un coup de tonnerre, une petite phrase qui nous disait « tu ne sais pas ce que tu as fait » et qu'à partir de là, systématiquement, les apparitions d'Herogus se faisaient beaucoup plus nombreuses. Donc je pense qu'en se barrant d'ici, on doit être dans une zone, je sais pas, une zone Herogusienne.
c'est pas du tout une zone maudite, on se casse. Alors il me faudrait beaucoup plus de cuir pour pouvoir fabriquer un sac à dos pour emmener un maximum. Pour emmener un maximum des objets qu'on a trouvés. Alors on va essayer de trouver des vaches ou des cerfs. Et la musique est très forte là d'un coup à nouveau. On va la baisser, certains d'entre vous vous êtes plaints du volume de la musique. Beaucoup trop élevé. Voilà, je pense que comme ça, ça devrait être beaucoup mieux. Faudrait que je trouve des vaches ou des cerfs. En général, il y en a pas mal dans le coin. Histoire de récupérer de la peau. Et de pouvoir se barrer avec un sac à dos. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient eu très peur. Vous m'avez conseillé aussi d'intégrer, pourquoi pas, une petite... Oh la vache, ça commence, regardez. C'est pas ce que c'est que ce truc, d'intégrer une petite phrase qui dirait « Attention, c'est moins de 18 ans, ce programme pourrait vous faire peur, âme sensible s'abstenir. » Oh, quand même, on est sur Minecraft, ça devrait aller, une pomme. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Une fois de plus, je pense que c'est l'œuvre de notre ami Hirogus. On va pas douter, on a un corbeau là. Tout est fait pour nous faire peur. Le corbeau, la musique et le feu. Venu de nulle part, on va récupérer quand même ça. Je sais pas ce que c'est que ce espèce de totem en flamme. Bon, dans l'immédiat, on cherche des vaches. Oh, ou un cerf. Et le cerf, on va le chasser. Alors, je sais pas s'il faut que je mette absolument mes plombs, mes balles là. Mais en l'occurrence, le cerf, on va le chasser. Est-ce que je l'ai eu ? Raté ! Merde ! Alors, je vais pas zoomer. On va tuer le bébé d'abord. C'est fait. Ah merde, il avait pas de cuir sur lui. Désolé mon ami. Je ne le savais pas. Alors toi, j'espère que tu vas me donner du cuir ou de la viande. Vas-y. Ah si, il a droppé un peu de bouffe. Et alors je vous promets que maintenant, je vais me la jouer beaucoup plus prudent. Parce que j'ai tendance aussi à déconner un peu, m'amuser tout ça. Et je pense que si on veut avancer dans la série, il y a tout intérêt à ce que je sois extrêmement prudent. Vous voyez, là, je vais essayer de passer un maximum sous les arbres. C'est-à-dire que si Hirogus décide de m'envoyer valser, au pire, regardez, pouf, je me prends un arbre. Donc, je ne décolle pas. Voilà, c'est une technique comme une autre. Hein. J'ai réfléchi. Hein, toutes les... Franchement, cette série me hante. Me hante littéralement, dans le sens où j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir la nuit à ce qu'il fallait que je fasse pour peut-être réussir à éviter de mourir trop facilement. Aller d'arbre en arbre était une des solutions que j'ai trouvées. Pour tout vous dire, je pense qu'on va se casser par là. On va partir par ici. Mais dans l'immédiat, je vais pas trop m'éloigner de la maison non plus. Car vous le savez, si je meurs, eh bien mon stuff... Je renais dans la maison. Allez, on va vite se mettre sous l'arbre. Mais c'est vrai que c'est une aventure très surprenante et bien plus complexe. Enfin non, je m'attendais à ce que ce soit un peu hard, mais à ce point, je pensais pas. En tout cas, la plupart d'entre vous l'avez souligné aussi, et je suis d'accord avec vous, c'est autre chose que la saison 1 de The Crafting Dead. Là, on est passé au niveau au-dessus, mais je vous avais prévenu, hein, au tout début de... Dans le premier épisode, souvenez-vous, j'avais dit clairement, The Crafting Dead saison 1, c'était une petite balade de santé, là, on passe sur du lourd, du sérieux. Lapin. Ours, ours, ours. Ours, lapin, lapin. Ours, on va se faire l'ours. On va pas gaspiller nos balles. Bonjour l'ours. Boum! Il est tombé. Il s'est même pas tué. Alors on va essayer de sauter. Bien dans la flaque. Merde. Si, c'est bon. Ah, il a rien lâché. Je déteste tuer... Alors, autant tuer des animaux, je suis pas contre. Mais c'est vrai que quand je les tue, entre guillemets, pour rien, c'est-à-dire qu'ils ont rien sur eux, ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue. Il y a une petite... petite tristesse, quand même. Alors, c'est ici, souvent, que... Je sais pas pourquoi, Hirogus, à tendance à me propulser très haut, très loin. On va se méfier... Je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. On a un panneau, là. Je suis pas sûr de l'avoir lu, ce panneau. Il y a peut-être rien dessus, je sais pas. Il y a un panneau planté juste là. Je me méfie aussi. Quelqu'un m'a dit dans un commentaire, parce que je lis quasiment tous vos commentaires. Hein. Je lis tous vos commentaires. Quelqu'un m'a dit, attention Gus, il y a un piège dans l'eau. Je sais pas où, moi je ne l'ai pas vu. 1 plus 1. qu'est-ce que c'est que cette énigme? 1 plus 1, ça fait 2. Je sais pas. Là, on a de la lave, on va s'approcher très très doucement. Je me méfie, mais comme de... Enfin, de tout et de rien, là, je sais pas. En fait, on sait pas de quoi il faut se méfier dans cette saison.
Renard là-bas, le renard drop du cuir. Nies. Je veux dire niac, nies, yes. Petit renard, viens là. Hey Fox, regarde-moi. Il se barre, il m'a entendu. Oh ! Je l'ai eu. Oh la vache. Et il a lâché deux cuirs, et ça c'est très bien. Je pense que ça devrait suffire. Je surveille, j'aimerais pas me retrouver deux nuits dehors. Je surveille, je sais pas où on en est. Où est le soleil ? Je vois pas le soleil. Et j'ose pas aller dans les zones trop dégagées. C'est une horreur, ça me rend parano ! Je suis totalement paranoïaque. Donc là c'est la maison qu'on avait trouvée il y a un certain temps. On va se cacher là-dessous. Pour le moment on est tranquille, tout va bien. Ah, des chèvres. Et là... Très bien, de la bouffe. Et là il y a plein de trucs à récupérer ici. On va en profiter, je vais me faire la chèvre. Ah ouais, la nuit est en train de tomber en fait. Donc on va essayer de dormir cette nuit, j'espère que ça va bien mieux se passer que les nuits précédentes. Je croise les doigts, ouais. Bah là, oh, des choses là-bas, des cochons, des... Qu'est-ce que c'est ? Ours. Et là aussi, il y en a, mais quelle vie, quelle profusion naturelle ! Ah, ça fait plaisir. Il y a un feu là-bas au loin, je sais pas si vous voyez, je sais pas ce qui se passe encore. Merde. Très énervé. Il a dû me voir. Je sais pas. Merde, zombie. La nuit tombe et je suis dehors. Quand même. Bon, écoutez, je rentre. La nuit est tombée. J'ai pas intérêt à rester dehors, tiens. Un rôti qui traîne. Oh la vache. Cours. Oh putain. Je me suis fait avoir. La nuit est tombée quasiment d'un coup. Enfin, moi, je l'ai pas vu venir. Et j'ai tout intérêt à rentrer très très vite. Qu'est-ce qui grogne comme ça ? Je sais pas si c'est un ours ou un tank. On va vite rentrer, on va se mettre à l'abri, on va se cacher pour la nuit. J'espère qu'elle va bien se passer cette nuit d'ailleurs. Et demain, on se barre, on quitte l'endroit que je supporte plus à vrai dire. Et je pense que si on veut réussir tous les objectifs de cette saison, j'ai tout intérêt à me barrer. J'ai l'impression qu'ici ce sera impossible. Je les rappellerai tout à l'heure, hein, dès que je suis arrivé. On fera le point. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si j'ai une hallucination. J'ai le sentiment d'avoir vu quelque chose passer sous mon nez. Juste là. J'ai dû halluciner. Je ne sais pas. C'est juste inquiétant. Allez, hop, dodo. Ah, c'est bon, je dors. Eh ben j'ai bien dormi cette nuit, dis donc. Pas de mauvais rêves, pas d'érogus, tout va bien. Pas de tank qui a pété la baraque. Eh ben ça fait du bien une bonne nuit comme ça. Ah, le bonheur. Il reste des fantômes, ah, très bien. J'avais besoin de poudre, ça tombe bien. Par contre j'ai plus du tout de fer, je crois. Donc là, niveau balle, on va le garder quand même. Ah oui, mon arbre. Oh la vache. J'ai entendu grogner, forcément. Zombie. Bon, j'ai pris l'air, je vais vite prendre un petit déjeuner. Ah mince, oui, je veux juste manger la pomme. Autant pour moi. Et un poisson. Voilà. Nous allons maintenant fabriquer nos sacs à dos. Notre sac à dos, en fait. J'espère avoir suffisamment de cuir pour ça, et je pense pas. Et non, j'en ai vraiment pas suffisamment. Oh merde. Bon, on n'est pas parti, les amis. Allez, là, ce coup-ci, il faut absolument que je trouve... suffisamment de cuir pour faire un sac à dos et on se casse. Allez, go. On va aller par là. On va aller chasser par là. Il faut que je trouve quelques bestioles qui lâchent du cuir. On se fabrique un sac à dos et on s'en va. Je sais pas ce que c'est que ça. Ça, j'ai envie de dire que c'est un tank et pas un ours. J'hésite en même temps. Ah non, ça c'est un zombie, tout ce qu'il y a de plus zombie est banal. Un banal petit zombie. Bouge pas mon ami. Tiens, ça c'est pour toi. Boum. Aïe, bon c'est rien, ça fait un peu mal mais on guérit. Qu'est-ce que c'est ? Oh la vache. Recharge. Boum. Ah c'était limite,
et j'ai l'impression d'entendre grogner. Non, c'est fini. Bon, partie de chasse matinale. On va essayer de trouver du cuir. Bon, là-bas, on a une maison. Je vais même pas m'en approcher. Je veux plus les voir, ces maisons. Espèce de piège à la con. Et moi, je tombe dedans systématiquement. En fait, ce que j'évite, regardez, c'est vraiment cette zone-là. La zone du bassin. Je ne sais pas pourquoi elle me dit rien qui vaille. Regardez, il y a une espèce de sourire en sable juste là. Je suis sûr que cette zone est... À chaque fois que je suis passé dessus, depuis le début de cette aventure, il s'est passé un truc horrible. Ou alors c'est la maison de départ. Donc j'évite vraiment maintenant d'y aller. Moi je me casse, ça c'est évident. Ah tiens, on va récupérer vraiment toute la poudre. La poudre, souvenez-vous, c'était vraiment l'élément qui risquait de manquer. Et puis bah finalement on en trouve suffisamment. Et ça c'est une très bonne chose. Ah, regardez, on a encore une structure en glowstone. Bien entendu. Oh la vache, ça c'est un canard. Et le canard, ça se mange. Oh, je l'ai raté, putain, il m'a fait gaspiller une balle. Voilà. Nous avons ton corps et nous le mangerons. Ah, nous avons un H en glowstone. Vous avez compris ce dont il s'agit, bien entendu. Cadeau d'Hérogus. C'est le H de Hérogus, bien entendu. Je récupère la glow, on va aller s'occuper des ours après. L'ours en général a du poisson dans les poches. Ah, je peux pas le prendre, je suis plein. Me dis pas que je suis plein. Oh non, qu'est-ce qu'on peut jeter ? Ça, je m'en fous. Voilà. On s'en fout du panneau. À la limite, le panneau, ce que j'aurais pu faire, c'est le planter en mettant la réponse quelque part. Aïe ! Aïe ! Ah, mais il est violent ! Voilà. Un peu de poisson sera toujours le bienvenu. Alors, est-ce qu'on va trouver... Oh là là. Ce que je cherche, c'est-à-dire... Du cuir. Ah, il me faudrait quoi, un petit renard. Un tout petit renard doux. Un tout petit renard. Ni plus ni moins qu'un petit renard. Tout mignon, poilu et tout. Qui me lâcherait son cuir. Allez. Un renard, c'est quand même un truc qu'on trouve souvent, des renards. Hier, il y avait des chèvres, mais je doute qu'elles sont encore là. Elles ont dû se faire bouffer pendant la nuit. Oh, on a une belle zone là devant nous. Regardez. Immense zone qui est... Une immense plaine. Ça pourrait être pas mal de se rendre là aussi. Je sais pas où on va aller. Ah, ça c'est bien. Regardez. Regardez, une jeune femme qui se cache dans l'herbe. Mais... On m'en a fait pas, moi, je t'ai vu, mon ami. Yes. Je crois qu'il n'est pas seul. Ce que je voudrais récupérer, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le moment, Hérogus nous a laissé tranquille. Je pense que l'idée d'éviter au maximum bien la petite piscine qui est en bas de notre cabane est une très bonne idée. Et je peux pas récupérer ça. Qu'est-ce que je vais jeter? Ça, j'en ai rien à foutre. Allez. J'évacue au fur et à mesure... Le matériel inutile. Oui, donc je vous parlais de cette zone qui peut être... Ah, il y a du zombie. Intéressante. On va éviter la confrontation zombiale. Et on va revenir sur nos pas. Jusqu'à la maison. Bah écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Il nous faut du cuir. Je ne pars pas en laissant tout ce matos derrière moi. Parce que je compte partir, mais loin, vous voyez. Vraiment envie de quitter l'endroit, quoi. Et de manière quasi définitive. Bon. Ah ouais, Hérogus nous laisse vraiment tranquille, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Je commence à être en confiance. En même temps, c'est dangereux. Voilà, c'est au moment où on commence à être à nouveau en confiance que tout d'un coup tout dérape et tout part en sucette. Souvenez-vous, épisode précédent, tout allait bien et d'un coup j'ai enchaîné les morts, les fails et les attaques surprises inattendues. Ça a été l'angoisse. Pendant tout l'épisode après, jusqu'à la fin. Donc fort probable qu'on revive à peu près la même chose aujourd'hui. Moi ce que je cherche, bon, on va tuer ce zombie, on va aller voir par là. Bon, au pire on part demain, on va passer la nuit à chercher du cuir. Enfin la journée à chercher du cuir a priori. Oh t'es rapide toi. Mais pas assez pour m'avoir.
J'essaye quand même de rester sous les arbres. Ça, c'est vraiment, je le répète, hein, pour éviter les vols planés inattendus. Alors, il y avait pas mal de vie hier, ici. Et regardez, je crois qu'on a une vache. Et ça, c'est bien. Une quantité de canards incroyable. Bonjour. Ce qui est bien avec le canard, c'est qu'il a pas peur de l'homme. Hein. Il se dit que c'est mon ami. Eh oui. Mais non, tu devrais partir en volant. Mais non, il reste là. Convaincu que je vais rien lui faire, mais il a pas compris que j'étais en pleine survie. Eh oui. Et la vache, par contre, j'ai pas envie de lui courir après. On va prendre un raccourci simple, c'est-à-dire le fusil. Boum ! Et elle me drop un tout petit peu de cuir, et on en a pas encore assez pour pouvoir fabriquer notre sac à dos. Ah, il faut que je me débarrasse d'autre chose. Oh, j'entends une autre chèvre, une autre vache. Où est-elle ? Mais, où es-tu ? Ah, par là, il me semble. Oh, tu as voulu te cacher, coquine, mais on ne me la fait pas ! Tu vas crever comme ta copine. Allez. Oh, puis alors. Ah, je crois que là, j'ai presque ce qu'il me faut. Pas encore tout à fait. Je crois qu'il m'en faut... 8, il me semble. Je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque juste un cuir. Ah, damned. Des citrouilles. Ça, je n'y touche plus non plus. Alors je sais pas si c'est le fait qu'on soit débarrassé de la citrouille, ou si c'est le fait que j'évite comme au maximum la fameuse zone dont je vous parlais tout à l'heure, mais on n'a pas été embêté une seule fois par Aerogus. Ça fait du bien entre nous. Je le vis très bien. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ah, c'est pas vrai. Comment je peux rater une cible comme ça? Oh, c'est pas vrai, deux fois, tant pis. Allez, viens là. Oh, on a une chèvre. Je sais plus ce que la chèvre lâche, je sais pas si elle lâche pas un petit peu de cuir aussi. Je suis désolé Biquette, hein, mais j'adore les chèvres, hein, vous le savez. Mais là, non, rien du tout sur elle. Oh merde. Là-bas par contre, on a quelque chose qui m'intéresse. C'est de la canne à sucre pour faire des feuilles, pour me faire des balles. Pour mon fusil. Donc ça, je prends. Voilà. On va remonter. Je vais passer combien d'heures à chercher comme ça, enfin combien de jours, enfin de jours en heure Minecraft, c'est très long. Combien de temps pour trouver un petit peu de cuir, en tout cas suffisamment pour pouvoir espérer faire un sac à dos et se barrer. Je n'en sais rien. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Renard. Alors toi, mon ami, nous t'attendions. Merde, j'ai plus de balles. Il va falloir se le faire. Mais en général, le renard n'est pas farouche. Vous allez voir, le renard ne fuit pas. C'est-à-dire, c'est juste à partir du moment où on l'a un peu tapé, un peu embêté, qu'il réagit. Ouh, 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 je parle renard. Mon ami, j'ai besoin de ta peau. Tiens, donne-moi ta peau. Non, donne-moi ta peau. L'enfoiré, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, je te déteste, renard, je te déteste. J'ai encore tué une bête pour rien. Et la nuit tombe, et merde. Ah, c'est pas vrai. Allez, encore un renard. Encore un petit renard. Même tout petit. Qu'est-ce qu'on a, là? Regardez. Canard. Alors, on va pas manquer de nourriture, hein. Du canard, on va en bouffer. Un ours. Ouais, non, je vais pas chasser l'inutile, donc on cherche vraiment quelque chose de très précis. Ah, vache, je suis dégoûté. Une vache, oui, ce serait bien. Même une petite vache. Une vachette. J'ai l'impression que là-bas, on a des cochons. Exact. Et le cochon ne lâche pas, ne drop pas de... Ne drop pas du tout de cuir, donc c'est pas ce qu'on cherche. Et là, je pense que je vais rentrer à la maison. Bah, ce sera pour demain, je suis tout à fait désolé, les amis. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, notre quête du cuir. Bah écoutez, ce sera un peu plus long que prévu. On va juste se... Pouah, je peux pas laisser des cochons. Faut que je récupère la bouffe. Je peux pas laisser deux cochons, même trois. Et attendez, j'ai quelque chose en face, je me demande si c'est pas une vache. Non, c'est de la terre. Les cochons, j'ai besoin de vous. Pour manger. Oh putain. Toi t'as intérêt d'avoir à bouffer sur toi. Oh c'est pas vrai, je suis resté pour rien les amis. Vous vous rendez pas compte des risques que je prends. Ils se rendent pas compte. Là on peut être attaqué par des fantômes. Ah oui, il faut que je rentre vite 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 là. J'avais oublié les fantômes. Fantômes, zombies, tanks, chargeurs. Et encore on n'a pas tout vu. On va éviter la petite zone. C'est là je crois. Oui. On va passer par le côté.
On va éviter le... la petite piscine qui est en contrebas de ma maison. Parce que je la sens pas du tout. Et quoi que je croise, je rentre. Hein. Je prends pas... Enfin, je dis ça à chaque fois, mais en général, je perds du temps. À bagnouder de droite à gauche en quête de cuir. Allez, on y est presque. On y est presque. Oh vache, les voilà, les fantômes. Cours, cours, cours. Ouvre la porte, aïe. Yes, je l'ai eu. Voilà, je vous dis, ça me met dans un état à chaque fois. Oh là 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 là. Je me mets à l'abri en bas. Waouh, je suis dans un état de flip, là, j'ai... À chaque fois que je suis attaqué par ces bestioles, j'ai les poils du corps dressés tout partout. Je suis hirsute. Ah, mais je vais pas pouvoir passer la nuit comme ça, une fois de plus. Bien sûr, on ne peut pas dormir, on a des monstres à côté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va commencer à ranger nos affaires. On va se débarrasser de l'inutile, là-bas dans les profondeurs de la grotte. Comme ça, on sera pas embêté. Oh là 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 là. J'aime pas ce bruit, j'aime pas ce bruit. Je sais pas pourquoi, je crois que tout s'est trop bien passé jusqu'à présent. Sandstone, j'en veux pas. Du bois, je vais le garder. Ça aussi, ça aussi. Ça, bien entendu. Oui, ça, je le garde. Ça, on va le modifier. Les chaussures, j'en ai pas besoin. L'obsidienne, je la garde. Ça, j'en ai pas besoin. Du gravier. Ça, je... Ouais, j'ai... Des plumes, j'en sais rien, non. Je vous promets, là, c'est tendu, hein. Réfléchir, même, enfin, réfléchir. Très, très dur, là, je dois réfléchir très dur à ce que je vais ranger, comment, quoi, comment, pourquoi. Non, c'est, plus sérieusement, c'est très difficile, là, de se concentrer en ayant tout ce bazar à l'extérieur. Ça, j'en veux pas. Ça, je garde. Ça, oui. Le bois. Oui. La nourriture, évidemment. Cobol. Ouais. Ça, j'en veux pas. On ne peut rien en faire. Hop, 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 hop. Je bouge, tiens. Ah, il fait nuit pour le coup. Je peux pas remonter. C'est bizarre. C'est comme si quelque chose avait pété l'escalier qui est là. Je suis dans le noir le plus total. Je sais pas ce qui se passe. Bah si, je sais, j'ai bouché, mais je pensais que j'avais mis suffisamment de torches. C'est ça que je voulais dire. Mais par contre, là, il manquait une marche. C'est très étrange. Ne manquez pas hier. Je ne vais pas imaginer le nombre de fantômes qui entourent ma maison. Par chance, ils ne peuvent pas rentrer. Enfin, je crois pas. J'espère que j'ai assez de torches. On va se concentrer. Alors, on en est où? Ça, c'est cuit. J'ai des poissons à faire cuire. J'en ai... Oui, celui-là est cuit, pardon. C'est ceci que je dois faire... Non, c'est le contraire. C'est cela que je dois faire cuire. Je vais y arriver. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faites que la nuit passe vite. Ça, je vais le garder. En fait, je vais juste lui évacuer tout ce que je compte pas garder. Ça non plus, je m'en fous. Ça, je vais le ranger là. Oh la vache. C'est complètement atroce. C'est pas possible. C'est juste pas possible. 5, 6, 7, 8. Ouais, il m'en manque juste un. Oh là 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 là. Je peux pas dormir. On va pas passer la nuit comme ça, c'est fou. On va continuer à faire cuire nos aliments, hein, et puis c'est tout ce qu'on va faire. Hein. Là, dans l'immédiat, si, peut-être... Bah, les balles, je peux pas, pour le moment. Oh là 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 là. Allez, on va faire... On va s'occuper de ça. Voilà, j'essaie de ranger un peu mon matos, hein. je sais pas si ça se voit. On a un peu de papier, ça c'est bien. Je fais un peu le point sur ce que je possède. Ok, alors. Là, ça cuit tranquillement. On va faire des bandages. Voilà. Supplémentaires. Voilà. Alors, maintenant, il y a des zombies. Enfin, je crois que dehors, il y a toute la population du jeu qui nous attend. C'est pas le moment de mettre le nez dehors, les amis, je crois. C'est atroce, c'est juste atroce. Oh là 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 là, et je crois qu'il y en a de plus en plus, c'est fou. Regardez, zombies. Là, je crois qu'on a de tout dehors. S'ils pouvaient s'entretuer, ce serait bien.
Bon, on est très bien à l'intérieur, on ne sort pas. Hein. Ce que je pourrais faire peut-être, c'est avec ça. Je sais pas si ça se fait. Voilà. Juste se faire des cubes de glowstone. Ce sera fait. Je pense que ça me servira de lumière. Je sais pas si. Je le dis, hein. Je sais pas si la glowstone a un autre usage de toute façon. Est-ce que j'en avais pas d'autres? Si, j'en ai plein. Allez. Et voilà. Ce sont des conditions pour bricoler complètement dingue. Je vous promets. Hein. Je sais pas si vous imaginez l'état dans lequel je suis. Du point de vue de la concentration, c'est complètement impossible et sachez que ça va durer longtemps. Je crois que c'est ça le pire dans l'histoire. Ça, on va le laisser. Alors, en fait, je vais laisser dans le coffre tout ce que je laisse derrière moi. Les graines, je récupère. Ça, je récupère. Ça, je laisse. Ça, je garde. Là, ça, je prends. Oh, les pressure plates, c'est pas compliqué à faire. Je prends vraiment que l'essentiel, c'est-à-dire la bouffe. La bouffe, le bois, enfin voilà, vraiment les choses les plus... Bien entendu, ça je prends la TNT, j'en ai un petit peu, j'en profite. Le charbon. Ah, j'ai plus de place. D'où l'intérêt de me faire un... Oh non, il y en a de plus en plus dehors, c'est fou. C'est complètement dingue. Je le mets où ça maintenant? J'ai plus de place. On peut apporter. On va le ranger là en attendant, on le récupérera demain. Ça je récupère aussi. Je sais pas, hein, je pense que vous aussi vous passez un moment pas forcément très agréable. Le soleil se lève, enfin. Ça m'a paru durer une éternité, vous pouvez pas imaginer. J'en peux plus. J'en peux juste plus. Vous allez tous crever. Vous allez tous crever autant que vous êtes. On va les aider un peu, on va attendre que le jour soit bien levé. Aujourd'hui j'ai intérêt de trouver mon cuir. Je fabrique le sac à dos et on se casse. Parce que même si là ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas été embêté par Aerogus, je suis d'accord. Je suis convaincu que ça peut se reproduire dans cet endroit-là. Allez, on y va. Non, on n'y va pas. Je sais pas, j'ai envie d'attendre encore un peu. Oh la vache. Ça y est, ils sont en train de cramer, on peut y aller. Allez, venez vous battre maintenant. Là-haut. Ça c'est fait. Tu vas prendre, zombie de mes deux. J'ai envie de les insulter, vous pouvez même pas imaginer. En fait, il n'y avait pas tant de monde que ça dehors, mais ils font un bruit de fou. Alors, on va devoir vider un peu ce qu'on a sur nous. Un peu de calme, enfin. On va vider un peu ce qu'on a sur nous, histoire de pouvoir... Voilà, bah moi qui avais récupéré plein de trucs. Voilà, on va faire un peu... Voilà, on reprendra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. On cherche du cuir. On va aller par là. Troisième journée de n'importe quoi, hein, finalement. Ouh là là, regardez là-bas, un tank. Est-ce qu'on se le ferait pas? Est-ce qu'on se le ferait pas à la main? J'en sais rien, je sais pas du tout. On l'a eu en deux coups, hein, contre la dernière fois avec le fusil. Allez, on va y aller. On va se le tenter, si ça va vraiment pas, on fuit, hein, à mon avis, on peut. On va le prendre de dos, déjà. Tiens, hop là, ouf. Quand même, ah oui quand même. Enfin il s'éjecte lui-même, hein, à vrai dire. Et il m'a blessé tout de même. Ah, il est pratique, hein, pour ramasser, casser du bois. Et bien pratique. J'ai activé le tank. Je sais pas comment on va s'en dépêtrer. Allez, viens là. Hop. Oh là là, il touche loin lui. Il touche très loin, faut se méfier. Je sais pas si c'était une bonne idée, au bout du compte. Faut qu'il se calme. Oh là, je vais crever. Donc on se barre. Je suis dans l'eau, ça c'est con. Ah putain, casse-toi. Et pourquoi je cours pas? Aïe, il va être gêné par les arbres. Non, il va me poursuivre jusqu'au bout. Alors faut pas que je le ramène vers ma maison. On va faire le tour. On va essayer de le piéger quelque part, je sais pas où.
aller dans l'eau. N'importe quoi, je m'attaque à un tank, à l'épée, quoi. Oh, champignons. Je les avais pas vus, ces champignons. Ou alors, ils ont poussé entre-temps. On va aller les récupérer. C'est quand même de la nourriture. Bon, il faut se le faire, ce tank-là. Ah non, j'ai cru que c'était lui, là-haut, mais pas du tout. On a un zombie au-dessus. Est-ce qu'il va plonger? Je sais pas s'il va plonger. À mon avis, il va pas se gêner. Non, il plonge pas. C'est quand même dommage d'avoir pas réussi à tuer le tank. Ça aurait été pas mal. Bon allez, on cherche du cuir. On se concentre. Hop, de la poudre. Il y a une arme qui est sympa à faire aussi avec le mode Balkan Weapons qui me sert justement à fabriquer le fusil. C'est... Oh, le voilà, le renard. Enfin, on va se faire le renard. C'est un canon avec des boulets. Et j'aimerais bien me fabriquer ça. Si j'arrive à me fabriquer... Une... Allez, donne-moi du cuir. Yes! De cuir, c'est bon, on se casse. Allez, on rentre à la maison. On fabrique le sac, on remplit le sac et on se barre. Au revoir la zone maudite. Elle est où ta copine? Tu te caches. Oh putain! Légèrement blessé quand même au passage. Allez, vite, vite, vite. Faudrait qu'on prenne le large avant que la nuit tombe. On va se faire un trou quelque part. Alors, je tiens à ce qu'on soit bien d'accord, hein, vous et moi. Je ne fuis pas. C'est pas pareil. Je vais ailleurs. C'est pas pareil. Je ne fuis pas. J'ai juste décidé que... Enfin, je suis convaincu que... Et vous le voyez, hein, on est tranquille là. Donc, on va éviter cette zone qui me semble un petit peu dangereuse. Attendez, il y a du... Hop, j'aimerais récupérer. Voilà. Il y avait un petit peu de... De poudre sur le toit. Alors, allons-y. On ferme la porte, on ne sait jamais. Fabriquons notre sac à dos. Hop, 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 hop. Et voilà un joli sac à dos. C'est parti, on va pouvoir se casser. Et ben, ça tombe très bien parce que je n'ai plus de place du tout dans mon inventaire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Du bois. Tout ce qui n'est pas primordial. Alors, attendez. Tant que j'y suis... Oui, non, j'ai pas besoin de faire ça. Tant que j'y suis... Ouvre-toi mon sac à dos. Comment je t'ouvre? J'ai plus ouvert mon sac à dos. Voilà. Ce bois, en fait, je vais le transformer tout de suite. Ce sera fait. Oui, donc là, il faut que je fasse ça. Pardon. Je m'y perds un peu. Voilà, ça, c'est fait. Je remplis mon sac à dos. C'est parti. Hop, hop. Je sais pas. Je mets la bouffe. Non, la bouffe, c'est important. On va mettre ça. Autant que j'en ai sur moi déjà de la cobble, ça m'évitera d'avoir à creuser. On va mettre la bouffe, on va mettre les graines, on va mettre tout ce que je peux mettre. Un max de trucs. De toute façon, que ce soit là ou ailleurs, c'est pareil. L'important, c'est que je l'emmène. Ça, j'emmène. Tac, ça, j'emmène. Ça, j'emmène, évidemment. Le reste, non merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à emporter? Ça, oui. Ta-ta-ta-ta. Ça, oui. Ça, oui. Évidemment, bien sûr. Ça aussi. Oui. Oui et oui. J'emmène ça. Ça, ça, ça et ça. Et à mon avis, on est bon. Voilà, on va récupérer les coffres quand même. Ça évitera d'avoir à en refaire en arrivant. On va récupérer. Ah mince, bon, c'est pas grave. C'est vrai que si je casse les coffres, le lit d'abord, voilà. On va récupérer un max de choses. Attendez. Là, j'ai récupéré des trucs dont je veux pas du tout. Hop. Ça non plus. Hein, je les récupère. Fais chier. Allez, le lit. Je veux le lit. Car c'est pas vrai. La terre, je m'en fous. Voilà. Et on a le lit, là, je crois. Très bien. Ça, je le laisse. Hop, hop, hop. Voilà, on sort. Ça sera plus... Renard qui vient me narguer sous ma porte. Ça fait 3 jours que je te cherche pour te... Je vais te tuer. Je vais te tuer pour l'occasion. Et lui, il a plein de peau sur lui, je suis dégoûté. Ça fait 3 jours que je cherche des renards, et là, il y en a plein. Ils sont sous mes yeux, sous ma porte. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a de trop? J'ai pris des trucs inutiles. En passant, on va les jeter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui ne me servira pas du tout? Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. La fleur, non plus. Et pour le reste, eh bien, écoutez... Ça me semble bon. On se casse. Au revoir la maison de l'enfer. On s'en va. Et on s'en va par là.
Hop là. On va traverser par ici. Je sais pas où on va, mais on y va. Dans ce sens-là, droit devant. En route pour l'aventure. Je sais pas où est le ciel. Le soleil est bien en haut, donc on a l'après-midi pour s'écarter et fabriquer un petit abri de fortune. Et donc j'y réfléchis maintenant, avec l'expérience et vos conseils, bien entendu. On commence à comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Le H qui est à notre droite, on s'en fout. Hérobrine, je te... hein. Certains diraient je te fus, et ben c'est le cas, voilà. Fuck Hérobrine, on s'en va, je m'en fous. Enfin, je suis convaincu qu'il reviendra tôt ou tard, mais jusqu'à présent, on n'y a pas eu droit une seule seconde. Tant mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, on se barre tout droit, et donc en ce qui concerne notre prochain abri, effectivement, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus sécure, et je crois que pour sécuriser, notamment face aux tanks, on va faire un truc un peu souterrain. Soit souterrain, soit bien enfoncé dans une montagne. On va taper dans ce genre de fabrication. Voilà, on va faire dans le troglodyte. Je sais pas si ça se dit, en tout cas on va aller dans les bâtiments troglodytes. C'est-à-dire qu'on va se creuser les choses très profondément pour éviter que les tanks ne puissent nous attaquer. On va essayer de réfléchir à ça. Et on va donc s'atteler à remplir les différents objectifs qui permettront de finir cette saison. Qui à mon sens, si on avait continué comme elle a commencé, aurait peut-être duré des mois et des mois. Est-ce que je vous rappelle les objectifs maintenant? Je m'en souviens pas forcément de tête, ça va être un peu compliqué. Un cerf, du charbon. Pour le moment on se barre, on cherchera tout ce genre de choses plus tard. Tu vois, je te laisse la vie, émissaire. Oui, tu t'en fous. C'est pas ce qu'on dit tes copains que j'ai croisés jusqu'à présent. Un peu de respect pour eux quand même. Ah, j'en suis réduit à parler aux animaux. Zombies en masse, masse zombie. Je sais pas si vous les avez vus, regardez, incroyable. Je sais pas combien ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zombies au moins devant nous. Et là on a une grotte, mais je crois qu'on est encore trop près pour moi. Oh la vache, on en a d'autres ici. Et apparemment il m'a vu celui-là. On va se battre. Là ça pullule de zombies en fait. Je crois que ceux-là m'ont vu aussi. Oh la vache, vache. On va essayer de passer dans la grotte qui est là. On va les éviter parce qu'ils sont nombreux. C'est ce qui me pose problème, moi, c'est le nombre. Pas tant le... Je vous le rappelle, hein, ça s'appelle The Crafting Dead, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié avec les épisodes précédents, vu que les zombies se sont fait un peu rares, finalement. Pour des raisons que j'ignore, mais là, en l'occurrence, c'est le retour du zombie. Hérobrine a disparu, les zombies sont là. Et la nuit est en train de tomber? Déjà? La vache! Je trouve qu'on n'est pas bien loin, je n'ai pas d'abri. On va vite essayer de trouver un endroit où se mettre. J'aimerais pas forcément en haut d'une colline, parce que... Ok, c'est signe... Ok, on voit loin. On voit à peu près ce qui se passe devant nous. Mais en même temps, c'est aussi... synonyme de grande chute. On peut tomber. Si je peux éviter les collines, mais là je crois que dans l'immédiat on va se foutre dans un trou pour la nuit quoi. Oh là là, il y a du zombie partout. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On n'a pas vu autant de zombies jusqu'à présent. Je vais descendre par là. Faudrait que je trouve une grotte et que je bouche. Petite grotte. Une grotte ou nette. Il faudrait que je la trouve vite en fait. Oh la vache, zombie. Encore du zombie. Ah la vache! Ils sont combien? Regardez là, celle-là, elle est tout à fait bizarre avec ses petites jambes toutes maigres! Ah la vache! Elle a l'air balèze, ah non, c'est bon, j'ai flippé. Là par contre, il faut absolument que je trouve une solution. Oh là 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 là, il y en a plein! Il faut que je remonte. Écoutez, on va se mettre dans un trou, je sais pas où, et là j'ai pas le choix. Là j'ai clairement pas le choix, on va se cacher par là. Allez, c'est parti. Ambiance, j'arrive sur Minecraft pour la première fois de ma vie. On va faire vraiment l'abri classique de fortune. De toute façon, l'objectif maintenant, c'est de remplir les objectifs. Et on va faire le point dès que j'aurai fabriqué quelque chose d'un peu... Et j'ai pas pris de porte avec moi. Ça, c'est dommage. Bon, bah écoutez, on va faire la chose un peu moche mais habituelle. Un peu de lumière déjà. Avec de la bouse, voilà, un petit peu de bouse. Alors, le point sur les objectifs, j'ai une feuille, hein, je vais la retrouver.
Et justement, on va s'atteler dès demain à les remplir les uns après les autres, à mon avis. C'est ce qu'on va faire. Je vais dîner quand même, on va manger un peu de canard ce soir. Voilà, histoire de récupérer. Alors, survivre, ne pas mourir. Bon, ça c'est mort, vous l'avez vu, je suis mort au moins 3 ou 4 fois, peut-être même plus. Fabriquer un fusil et des balles, on l'a réussi cet objectif-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai vraiment un chapeau ridicule sur la tête. Je sais plus ce qu'on avait d'autre. Adopter un animal, ça c'est toujours pas fait. Bon, on va le faire dès qu'on aura construit un abri un petit peu correct. Et en l'occurrence, c'est un des autres objectifs, construire un fortin capable de résister à l'assaut de tanks. Un fortin, ou en tout cas un abri capable de leur résister, ou en tout cas de survivre aux tanks. Faut que je sois autonome d'un point de vue alimentaire, culture de blé, élevage. Donc nous verrons ce qu'on arrive à mettre en place à ce niveau-là. Il va falloir que je tue une cinquantaine de zombies, 20 chargeurs, 5 tanks. Niveau chargeur, j'en suis loin, j'en ai pas tué un seul. 5 tanks, j'en ai tué qu'un. J'aurais pu en tuer un deuxième, mais j'ai raté mon coup. Pour ça, il me faudrait une épée en or pour tuer les chargeurs. Et il faudrait que j'atteigne le niveau 20 d'expérience. Je n'y suis pas encore, je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs. Niveau 8, niveau 20 ou 25. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup d'agrandir ici. Je pense que je peux pas dormir non plus. On va ouvrir là, parce que j'ai envie de voir ce qui se passe dehors. Ça m'énerve de pas voir ce qui se passe. D'entendre et ne pas voir, c'est ce qu'il y a de pire. Apparemment, c'est calme, hein. Les nuits sont vraiment pas tranquilles dans The Crafting Dead. C'est assez terrible. Donc un épisode un petit peu plus cool. Un petit peu moins... avec un peu moins de pression, mais je vous avoue que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je le vis mieux pour le moment. En tout cas, je crois qu'on a eu notre dose dans les deux épisodes précédents. Par contre, si je vois un tank, qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends là? Quelque chose qui marche juste au-dessus, juste en dessous. C'est infernal. Je pense qu'on va s'enfoncer un peu plus profondément dans la montagne. Mince. Oui, bah écoutez, on va creuser la terre finalement. Aïe, en fait, on a une vue qui est pas si mal ici, hein, je suis en train de me dire. On pourrait se mettre par là. Bah écoutez, on va continuer ici, hein, finalement. Le hasard nous a fait nous installer ici. Je pense que nous allons vivre là. Je pense aussi qu'un bon moyen de se protéger d'un tank, c'est de faire quelque chose en hauteur que le tank ne pourra pas atteindre. Vous voyez, là, si on est un peu haut, et si on casse tout accès, qu'on laisse juste par exemple des échelles, ou un accès inférieur par un étage avec un escalier, le tank ne pourra pas accéder à la zone où l'on vit. Ça peut être une solution, comme une autre. En tout cas, c'est lui. En tout cas, je pense qu'elle est envisageable, cette solution. J'ai remarqué que je disais vacht depuis tout à l'heure. Je ne sais pas d'où ça vient. Réminiscence du passé, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus depuis combien de temps j'enregistre, donc je pense qu'on va peut-être bientôt arrêter l'épisode. On va laisser passer la nuit. Comme ça, ce sera fait. Vous saurez que dans notre prochain rendez-vous, nous serons de jour et nous pourrons nous activer de manière un petit peu plus intense. Là, pour le moment, je vais refabriquer une pelle et on va en profiter pour fabriquer aussi une pioche. Voilà, on va peut-être poser un... On va s'installer, en fait, je suis en train de me dire. Autant s'installer de manière quasi définitive. Tant qu'à faire, installons-nous. Le lit, on va le mettre. Ah, j'ai un deuxième coffre. J'en peux plus de ces bruits de monstres là, toute la nuit, c'est fou. On va se construire un abri bien profondément dans la montagne, histoire d'être tranquille pendant la nuit, parce que ça devient infernal. Je creuse. L'objectif, là, je vous le dis direct, hein, c'est de se fortifier à fond, réussir à se faire, pourquoi pas trouver... On va essayer de trouver des minerais qui nous permettront d'avoir un bon équipement, une bonne épée, une bonne armure, histoire de pouvoir se battre correctement, avoir suffisamment de balles à nouveau. Donc pour ça, il va falloir trouver du fer. Et on va bien s'équiper, et là, on partira carrément à la chasse aux zombies, à la chasse aux tanks, à la chasse aux chargeurs.
et j'espère pouvoir commencer à le faire dès, peut-être pas le prochain épisode, mais assez rapidement. Je vous le dis, hein, c'est vraiment l'objectif. Mais je me suis rendu compte que là où nous étions, parce que je crois, j'en suis convaincu, l'endroit était maudit, il était impossible de pouvoir continuer, et Robrine nous aurait vraiment sans arrêt embêté. Ah, vous entendez, là, les zombies commencent à se faire... Ah bah non, ils sont toujours bien présents. J'ai l'impression qu'ils se faisaient un petit peu plus discrets, mais c'est pas le cas. Est-ce que le jour va se lever bientôt? Non, toujours pas. Oh là là, les zombies sont pas loin en même temps, je crois que... On les comprend, ils ont faim, ils savent que je suis là, ils ont tout intérêt à venir m'embêter, ça c'est évident. On va creuser par là, allez c'est reparti, je recreuse, hein. Avec l'espoir de trouver vraiment des choses intéressantes, mais là je suis pas convaincu. Il faudrait que j'aille dans une grotte naturelle. Ouais, il faudrait y aller de jour, demain. Est-ce que si je mets mon lit par là, je peux dormir? On va voir. Allez, on va le mettre là. Je peux pas dormir. Ah, peut-être qu'il est pas... Je retravaille l'accès, c'est bon. Alors, est-ce que je peux dormir maintenant? Il veut pas. Ah si, c'est bon. Allez, bonne nuit à tous. Eh ben, les zombies ont pas dormi. Pour, en ce qui les concerne, apparemment, ils sont toujours là. Bon, eh ben, écoutez. Voilà. L'idée, c'est maintenant qu'on se retrouve peut-être... Je suis magnifique. Bon, on va se faire une petite... On a un zombie juste là, c'est lui qui nous a emmerdé toute la nuit, c'est incroyable. En fait, on est on est à flanc de montagne. Je sais pas, on va essayer de s'organiser ici, dès le prochain épisode. Je pense qu'on va s'installer là, apparemment c'est tranquille. Vous l'avez vu, Herogus nous a pas embêté une seule fois, pourvu que ça dure. J'espère que ça va durer. En tout cas, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Un petit peu différent des précédents, un peu moins de flip. Un épisode qui permet peut-être d'avancer un peu, on s'est écarté du danger. Il va en avoir d'autres. Et l'objectif, c'est de ne plus être chassé, mais de devenir le chasseur. À très bientôt, ciao!